Wow. I think the next few decades, particularly for the next generation, are going to be extremely exciting. So I can't wait. Moving to our next speaker, and it gives me great delight to introduce Jacques Rodriguez, who is the well-known French visionary academic specialising in the field of marine habitats and coastal zones. Passionate about the sea and space, he's based his work and innovations on biomimetic, bio-inspired, resilient and sustainable architecture. Now, for those of you who have the little headsets, it's a great time to put these on now as we welcome Jacques to the stage to share with us his story and his insights. Thank you and a warm welcome. Thank you. I'm sorry, I don't speak very well English. I prefer speak French. Alors, en plus, on a de la chance, on a une traductrice qui est très, très gentille et donc qui va vous faire part de mes passions. Alors, je voudrais dire tout d'abord merci à Christina pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici parmi vous dans des moments forts de notre aventure au niveau des civilisations par rapport à l'océan. Cette grande aventure humaine, le Portugal la connaît. À travers les siècles, comme la France, il y a eu de très grands navigateurs. Mais je voudrais dire que cette passion que j'ai eue pour la mer et que j'ai évidemment toujours... Ah pardon, il y a une traductrice, c'est vrai, il ne faut pas que j'aille trop loin. Ah, mais je ne veux pas savoir quand elle aura terminé. Est-ce que quelqu'un peut me faire signe, dire quand... Ou la personne qui traduit peut me faire signe? En haut à droite, je ne vois pas. Ok. Bon, donc je voudrais dire, non, je suis d'autant plus heureux, en plus, c'est que je viens de la génération Cousteau et que j'ai la chance et l'honneur de connaître trois générations de chez Cousteau. Donc évidemment le grand-père de Fabien qui m'a entraîné sur la Calypso et qui m'a entraîné dans cette grande aventure humaine qui m'a fait rêver quand j'étais jeune. Et puis le père de Fabien qui est un ami qui est cher. On se connaît depuis plus de 50 ans, je ne dirais pas plus parce que vous voyez avec les cheveux blancs. Et puis maintenant Fabien, mais j'espère que Fabien me fera connaître sa descendance, donc la quatrième génération. Fabien, toi qui as de bons yeux, tu me fais signe quand tu vois qu'elle a... Alors, je regarde. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors voilà, donc, beaucoup d'enfants, dans leur vie, aimeraient faire des cabanes dans les arbres. Moi, c'était des cabanes sous la mer que je voulais faire. Depuis l'origine, j'ai eu la chance d'être passionné par tout ce qui était nature, biodiversité, par l'humain. Et très, très vite... J'ai été passionné par ces deux grandes aventures humaines, l'espace et le monde sous-marin, qui sont très liés comme nous allons voir, ou comme on a commencé à le voir avec Fabien et avec Peter Weiss. Voilà. Donc ces deux grandes aventures sont en train de bouleverser notre civilisation. Et j'ai toujours été persuadé que c'est de l'océan et de l'espace que naîtra le destin des civilisations à venir. Il y a la recherche spatiale et la recherche sous-marine étant très liées, nous amènent un foisonnement de connaissances sur les sciences, sur les innovations, sur les technologies, dans nos modes de vie de tous les jours, de plus en plus, en mobilité, en communication, en urbanisme, en architecture, et même dans d'autres domaines, que ce soit la médecine. Alors, il est important de savoir que l'océan, c'est un vaisseau spatial, enfin, la Terre est un vaisseau spatial qui parcourt les galaxies. L'océan est au cœur de ce système qui lui fournit son oxygène et son énergie.
Vous savez comme moi que l'océan recouvre 71% de la surface du globe, mais c'est surtout une masse d'eau de 3,7 km d'épaisseur, d'où jailliront les énergies renouvelables de demain, la nourriture, la pharmacologie du futur et les biotechnologies, je l'espère, pour le bien commun de l'humanité. Alors, comment bâtir ce futur ? Comment bâtir ce futur avec Fabien ? Car l'océan est tellement immense, il n'y a pas un seul projet qu'il faut, il n'y a pas 10 projets. Il faut que tous les États se mettent à réfléchir sur ces grands enjeux, et c'est tellement immense qu'il faut faire un certain nombre de projets qui correspondent à cette volonté de protéger l'océan, d'explorer l'océan et d'offrir la blue economy à l'ensemble des peuples du monde. Alors, comment bâtir ce futur ? Eh bien, on réfléchit un petit peu, comme je vous disais, avec Fabien et avec Peter Weiss. Et moi, depuis toujours, j'ai été fasciné par Léonard de Vinci. Léonard de Vinci qui disait à ses étudiants, il y a 500 ans, il disait « Allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. » C'est là qu'est notre futur, il y a 500 ans. Donc, c'est le biomimétisme. C'est transformer le génie de la nature en forme construite. Et donc, je me suis inspiré de toute l'œuvre de Léonard de Vinci. J'ai commencé à imaginer des engins pouvant se déplacer, comme le, vous voyez, comme le crabe araignée qui est en bas. Donc, un robot qui viendrait depuis la plage pénétrer sous la mer pour réaliser une maison sous-marine qui partirait de la plage. Et puis un peu plus tard, je ne vous dirai pas les dates de cet engin que j'ai fait, parce qu'il y a vraiment pas mal d'années, l'informatique n'existait pas. Et un peu plus tard, j'ai eu la chance que la NASA et la NOAA aux États-Unis, pour l'entraînement, parce qu'ils entraînent les astronautes sous la mer, dans les programmes à l'époque Tactile, Hydrolable, Chalupa. Et donc, on avait imaginé un village au large des îles Vierges, là où se trouvait Tectail, Hydrolab, un village sous la mer, à moins 35 mètres de profondeur, pour non seulement les aquanautes, que j'appelle les mériens, mais aussi pour les astronautes. Ce village, c'est les prémices de toutes mes recherches pendant plus de 30 ans, vous voyez, toujours sur cette comparaison du biomimétisme, de la bio-inspiration. Ce sont des tentes sous l'eau. C'est des structures gonflables qui accueillent, l'ensemble de ces structures accueillent 250 personnes. C'était prévu pour 250 personnes. Alors, comment ces rêves deviennent réalité ? Car je suis, et j'aime le dire, et je le revendique haut et fort, je suis un immense rêveur. Mais un rêveur pragmatique, extrêmement pragmatique. Le rêve pour le rêve ne m'intéresse pas. J'aime rêver, je vous conseille tous de rêver. Dans une vie, il faut rêver, mais il faut bâtir ses rêves. Et donc, j'ai bâti ma première maison sous-marine, Galatée. Galatée est au Japon. Donc, c'est une maison sous-marine qu'on a fait pour la recherche scientifique, pour 4 plongeurs, vous voyez, donc d'une nouvelle génération. C'est-à-dire que toutes les maisons sous-marines reposent au fond de la mer. Et là, on a imaginé un autre process, c'est de positionner une sorte d'ancre, vous voyez, un lest mobile, et la maison se traque comme un ballon d'un enfant à la profondeur désirée des expériences à mener. Donc vous voyez ce grand hublot en polycarbonate de 2 mètres de diamètre nous permettait d'avoir, de vivre en osmose avec le monde sous-marin, de vivre vraiment en symbiose avec ce monde sous-marin. Alors là, on a essayé de travailler un petit peu avec Fabien, enfin comme ça, de collaborer sur des idées qui pourraient apparaître. Et donc on a un projet d'une base sous-marine. Comme je vous disais, il faut qu'à travers le monde, dans différents endroits du monde, apparaissent ces bases sous-marines. C'est extrêmement important
pour la connaissance de cet univers qui est très, très peu connu à l'heure actuelle. Alors, on a réalisé d'autres maisons sous-marines, tout un programme de deux autres maisons sous-marines, une qu'on a fait avec la Comex, qui était une grande société que Fabien connaît bien, à Marseille, de plongée sous-marine, qui ont fait tous les records du monde dans l'offshore. Et donc, avec Henri-Germain Delos, qui était le président, on a réalisé cette maison sous-marine dans laquelle j'ai vécu plusieurs fois, au large de Marseille. Je voulais que ce soit exactement au même endroit que le grand-père de Fabien avait immergé la première maison sous-marine Diogène au monde, pré-continent 1. C'était à l'île du Frioul, à Pomègue. Donc cette maison est positionnée 20 ans après l'expérience extraordinaire de cette première maison sous-marine du commandant Cousteau. Le programme, non, il y avait un programme sur la biodiversité, évidemment, mais il y avait aussi tout un programme médical, puisqu'on a fait les expériences, le moment où il fait le plus froid en France, c'est-à-dire l'hiver, pour voir le comportement des plongeurs dont je faisais partie sur des longues durées sous la mer. Alors on a fait Hippocampe 1, Hippocampe 2. Et puis nous avons Hippocampe 2 est au Mexique. Et l'ensemble de la structure, rapidement, est en aluminium et toujours pareil, ces grandes baies, vous avez vu là, c'est 3,20 m, c'est une ellipse qui était de 3,20 m, donc de. C'est pas là, hein, ça c'est Aquabulle, 3,20 m de diamètre. Alors, on a fait pas mal de laboratoires complètement autonomes, très très simples, pour la recherche océanographique, mais aussi l'archéologie sous-marine, pardon, ou même pour des clubs de plongée. Ce sont des aquabulles, comme vous voyez ici, qui se positionnent à différentes profondeurs. Donc vous voyez, c'est une sphère de 2 mètres de diamètre qui peut accueillir pendant quelques heures 3 à 4 plongeurs, et ces aquabulles sont complètement autonomes. On a réalisé une quinzaine de ces aquabulles de différents types, de différentes grandeurs. Alors, un autre de mes rêves, c'était de parcourir les mers du monde, comme j'ai eu la chance de parcourir pas mal de mers, mais je voulais voir sous la mer, regarder le monde sous-marin tout en naviguant, en traversant l'Atlantique plusieurs fois et d'autres mers, et surtout aller voir la migration des baleines. Et c'est comme ça que j'ai réalisé un de mes rêves, l'Aquaspace. Alors l'Aquaspace, c'est un trimaran, vous voyez la nacelle centrale, trimaran, hein, vous avez compris, j'espère, c'est trois coques. La coque centrale est complètement transparente, vous voyez, sur 22 mètres de long, et donc me permettait de voir, eh bien, comme on voit ici, la baleine en plein milieu de l'Atlantique, et de voir malheureusement les conséquences des plastiques à travers les grands courants océaniques. Alors l'ensemble de ces réalisations, j'ai vécu plus de 13 fois dans des habitats sous la mer, surtout avec Bill Todd, que Fabien connaît bien, qui fait les programmes Nemo, donc dans la maison sous-marine qui existe toujours aux États-Unis, Aquarius, tu l'as peut-être présenté tout à l'heure. Ah ben voilà, oui, surtout que tu y as été dans la maison Aquarius. Et donc, j'ai eu la chance, c'est pas dans Aquarius, mais c'est dans Chalupa, de faire 69 jours donc sous la mer et de faire 13 expériences donc d'habitat sous la mer. Je peux vous dire que c'est un bonheur infini de vivre sous la mer. Alors pourquoi? Parce que ces maisons sous-marines sont pressurisées. Fabien a dû vous l'expliquer. C'est-à-dire, l'avantage extraordinaire, c'est qu'on sort. On vit 24 heures sur 24, sur de longues durées. On sort sous la mer autant de fois qu'on veut, puisqu'on vit en saturation. Et la magie, c'est de s'endormir. Et je crois que Fabien a eu les mêmes réactions que moi les premières fois. C'est, vous dormez pas si bien que ça, les premières nuits, pourquoi? Parce que vous êtes excité, vous voulez voir l'extérieur. C'est pas du tout parce que
Il y a un problème. Non, c'est que les hublots font que les poissons, il y a la lumière, et les poissons viennent, la faune vit surtout la nuit. Et vous êtes excité, vous dites, mais c'est incroyable, c'est comme un astronaute là-haut dans l'espace, mais c'est incroyable. Je suis sous l'eau, je vais dormir sous l'eau, me réveiller sous l'eau, je vais déjeuner sous l'eau, je peux sortir quand je veux, je peux travailler sous l'eau, et en plus, demain, je serai encore sous l'eau, 10 jours après, je serai encore sous l'eau. Je peux vous dire que quand vous remontez à la surface, vous êtes triste, avec tout l'équipage, parce que l'expérience se termine. Et comme tous les astronautes, et j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis astronautes parce que je travaille avec eux, la pauvre, non, elle arrive. Mais elle est très forte, elle est très forte. Comme tous les astronautes vous diront que quand ils reviennent sur Terre, ils pensent qu'à une chose, c'est repartir dans l'espace. Fabien et moi, on revient sur la berge, on se pousse du coude et on dit, on y retourne? C'est un rêve. C'est un rêve d'enfant, c'est une réalité, c'est très important pour le devenir des générations futures. Alors tout ça pour dire que, en toute humilité, c'est l'ensemble de ces 30 ans d'expérience sous la mer, au-dessus, d'avoir parcouru le monde, et qui m'a donné l'idée d'un nouvel engin, d'une nouvelle génération, Sea Orbiter. Voilà, donc je l'ai imaginé avec Jacques Picard, qui m'a énormément aidé, et le père de Fabien, donc Jean-Michel, qui a toujours cru à Sea Orbiter. Alors Sea Orbiter, c'est quoi? C'est comme l'ISS, c'est comme le projet que veut faire Fabien, Proteus, ce sont des stations, comme la station ISS de l'espace, ce sont des projets pour une communauté de scientifiques, de chercheurs, d'industriels internationaux. Alors comment dériver dans les grands courants océaniques tout en étant autonome, c'est-à-dire avoir des moyens de propulsion? Un bateau ne peut pas dériver. Un bateau n'est pas fait pour dériver. C'est très, très inconfortable. Un bateau est fait pour aller d'un point à un autre, mais pas dériver. Une maison sous-marine, c'est fait pour rester en point fixe, d'une façon sédentaire. Donc il fallait imaginer des engins d'une nouvelle génération. Donc c'est Sea Orbiter, une sentinelle des océans, pour étudier le climat, les conséquences du climat, des changements climatiques, et évidemment les conséquences sur la biodiversité dans ces grands courants océaniques, dans cette masse d'eau. Donc Sea Orbiter, c'est une sorte de ruche, comme une ruche pour les abeilles. Nous partirons des abeilles, justement, butiner la connaissance du monde sous-marin. Que ce soit des hommes, des plongeurs, on a un sous-marin à bord et on a des AUV, des engins téléguidés qui peuvent descendre jusqu'à 6000 mètres de profondeur et revenir dans la ruche pour transmettre la connaissance de ce nouveau monde. Rapidement, c'est donc une structure qui fait 58 mètres de haut, donc 31 mètres sous l'eau et 27 mètres au-dessus de l'eau. Pour un équipage de 18 personnes, enfin pour 18 personnes, un équipage de 12 personnes avec 6 invités sur les programmes de longue durée et les programmes de courte durée, 24 personnes à bord. Il y a 12 ponts, donc depuis la nacelle en haut, la vigie, jusqu'à la base sous-marine qui est pressurisée. C'est-à-dire qu'on peut sortir, comme dans une maison sous-marine, à tout moment, quelles que soient quasiment les conditions de la mer, on peut sortir sous la mer en plongée. Mais évidemment, ne pas remonter en surface. Alors, je vous propose de voir le film. J'espère qu'il va passer. Et en plus, vous avez de la chance, il est en anglais.